Et oui mon gars, on s'est dansé, c'est grâce au chapeau, ça tu connais, tous ceux qui ont la ref, vous êtes les boss. Et donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en détente, regardez où on est à la maison, in my house gros. C'est pas ma maison, c'est la maison de mes parents, mais tu connais. On dit tout ça de toute façon, notre génération. Bref, du coup les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo All My Sneaker hashtag 2. Mais dans cet épisode, il y aura les vêtements aussi que je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu mes tenues, mes vêtements, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent c'est quoi la rêve de ça. Est-ce que tu peux montrer tes vêtements, nanana. Du coup, je vais vous montrer aussi et je vais vous montrer toutes les nouvelles paires que j'ai eues depuis un an. Voilà, ça peut vous intéresser, ça peut intéresser certains. Voilà, c'est cool. Sur ce, je sais que vous êtes beaucoup à pas être forcément abonné à la chaîne. N'hésite pas à donner de la force, à t'abonner, à mettre la cloche, à mettre le pouce bleu. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait plaisir d'être de retour dans mon petit studio, sachant j'avais envie de faire cette vidéo ici parce que comme je parle un peu de mes vêtements, de mes chaussures, c'est un peu ici que je m'habille, tu vois. Donc le matin quand je me lève, c'est ici qu'il y a mes chaussures, mes habits. Du coup, il y a tout ici à proximité, donc c'est carré. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a plus de verdure comme avant. Hein, pour les anciens qui connaissaient quand je faisais des vidéos dans ce studio, bon, ça remonte pas si longtemps que ça, ça remonte à un an. Mais comment vous dire que c'est vrai que c'est un peu plus vite qu'avant. Hein, on peut dire Rip Palmito, hein, qui est complètement mort. Hein, il y a exactement un an, il y a un mec qui m'a mis un commentaire, arrose-le. Bon, bah un an après, il y en a plus. Pour le coup là, frérot, Rip Palmito, il y en a plus. Là, il y a trois plantes qui sont die, frère. Je suis une merde, je suis con, je sais pas comment j'ai pu faire cette abomination. Bon, trois plantes en moins, mais il reste encore le lama qui est encore vivant. Il reste encore mes trophées qui sont encore là. Tant que c'est là, ça bouge pas. Et il y a aussi un autre palmier là, mais qui a pris aussi cher celui-là, regardez. Celui-là, pour le coup, celui-là, oui. Celui-là, on peut dire clairement qu'il a pris très cher. Frérot, non mais c'est honteux, non mais celui-là, non. Bon bref, c'est un carnage qui s'est passé dans mon habitat naturel. En tout cas les gars, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu tous mes vêtements. On va commencer par, je pense, les chaussures. Et après je vais vous montrer un peu les tenues que je peux mettre, etc. Où j'ai pu acheter certaines tenues, etc. Ça peut vous intéresser, en tout cas je l'espère. Commençons avec la paire que j'ai achetée il y a... Bon, je pense que c'est la plus ancienne que j'ai achetée depuis la dernière vidéo. C'est celle-là mon gâté. Là on part sur Jordan. C'est vrai que moi je suis beaucoup TN. Vous savez les gars, vous me connaissez, je suis beaucoup TN. Mais depuis 4-5 mois, bah j'aime bien rock. Les petite Jordan, surtout celle-là, Jordan 4 Metallic Purple, je crois que c'est celle-là. Et mec, à chaque fois que je sors dans la rue ou que je sors ou que je fais des photos avec, les gens me disent ouais, tu les as eu où mec, elles sont trop d'art, etc. Le petit côté violet là sur la paire ici là, il est magnifique. Tu vois, ça fait une petite touche toute blanche comme ça, c'est classe. Bon, elles sont un peu sales, hein. Bon, t'as capté, faut que je les nettoie. Bon, celle-là, les gars, je les ai demandé à Meetup Paris de me les réserver et tout. Je les ai achetées, tu connais mon petit frérot. Mais en vrai, celles-là, elles sont très dures à trouver pour ceux qui veulent les chercher, les gars. Je pense sur StockX et tout, vous pouvez l'avoir, mais ça sera beaucoup plus cher qu'au prix normal parce que bah maintenant elles prennent de la valeur, tu connais. Je crois que j'ai dû les acheter 300 euros, donc ça va encore. Bon, c'est cher hein, mais maintenant je crois qu'elles sont encore plus chères. Donc franchement celle-là je les mets dans mon top de mes sneakers préférés les gars, parce que je les trouve vraiment fraîches. Tu les mets avec ta petite North Face Purple que j'ai acheté. Bref, je vous la montre après, tu connais. Mais celle-là c'est survalidé Iron. Façon dans le montage les gars, Iron il va vous mettre les paires que j'ai, le prix, tout ça, des photos avec. Bref, il va gérer le montage, on fait confiance, on est ensemble. Ensuite comme d'hab les gars, j'ai ma tata. Voilà, bon, je vous dis juste comme ça, ma tata m'a racheté des Air Force. Voilà, parce que les miennes elles étaient complètement niquées. Et quand elles sont neuves, bah tu vois, quand tu vas pécho des meufs et que tu vas voir des meufs, faut que ça fasse de l'effet. Une paire de Air Force toute bousillée, ça fait plus trop d'effet. Donc t'es obligé de te renouveler et en racheter des nouvelles toutes blanches pour refaire de l'effet. Bref, t'as capté, paire d'Air Force pour aller pécho, c'est la valeur sûre cette paire. De toute façon, je vous l'ai déjà dit dans l'épisode 1. Tous ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, je vous invite à aller la regarder parce que j'ai présenté toutes ces paires dans l'épisode 1. Donc je vous le mets juste là-haut. Comme ça, vous pouvez aller voir toutes les paires que j'ai présentées avant. Je vais pas vous les remontrer parce que ça risque d'être chiant. Mais si vous voulez, je vais prendre ma caméra après, je vais vous les montrer vite fait. Ensuite, j'ai des petits pulls aussi. Il y a beaucoup de gens, je sais que vous kiffez mes pulls. Et surtout celui-là, les gars, je l'avais eu au bail de sneakers. On me l'avait offert. Il est dark quand même. Et je vous propose tout à l'heure, je vous ferai des tenues avec pour vous vous rendre compte comment ça rend sur moi. Mais voilà, petit pull Nike, stylé, ça rend bien. C'est carré. Avec les petites. Tu vois, avec les petites Jordan par exemple, ça claque. Après, j'ai pas tant de vêtements que ça. Je sais pas vous dans le chat, mais je sais pas si je suis le seul en France à penser comme ça. Mais je trouve qu'il y a plus trop de trucs dans les magasins. Tu vois, j'arrive plus trop à trouver mon. Tu vois, en termes de sap, j'arrive plus à trouver mon délire. Je trouve qu'il y a soit y a pas ma taille, soit y a pas grand chose dans les magasins. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Mais voilà, du coup je pense qu'il y en a plus en plus de gens qui commentent sur internet. Et encore même sur internet, moi j'ai du mal à trouver des trucs bien. Donc voilà, c'était pour savoir si vous étiez aussi dans le même cas que moi ou si j'étais tout seul. Voilà. Ensuite, tu connais, vous savez que j'ai celle-là. Bon, pour ceux qui savent, vous savez que je suis un fan de TN. Et vous savez depuis longtemps que j'ai celle-là, les Tiger. Donc voilà, quand ils avaient fait la réédition, je crois que c'était en 2018. J'ai celle-là. Et j'ai pas pu m'empêcher de craquer sur sa sœur jumelle, qui est la même, le même modèle, mais en colorway différent. Et oui les gars, et oui.
Je peux pas nier que c'est une de mes meilleures TN. Celle-là, les gars, c'est mes TN préférées, je crois. Elles font partie de mes TN préférées. Les Purple. Alors, à l'image, on dirait qu'elles sont bleues. Je suis d'accord avec vous. Là, moi aussi, quand je les ai reçues, je me suis dit, attends, les gars, je me suis fait niquer. Elles sont bleues. Et bah non, en fait, elles sont violettes dehors. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, elles font un peu bleu. Bref, elles sont bleu-violettes, t'as capté. Alors, il y a un pantalon que tout le monde, vous me demandez tous sur Insta à chaque fois que je le mets. C'est celui-là, les gars. C'est un pantalon un peu cargo, tu vois. Donc là, je sais pas si on le voit bien. C'est un pantalon un peu cargo, je vais le mettre après. Il finit comme ça, un peu sur la finition en bas. Et tout le monde me dit, mais ouais, je l'ai acheté où il est trop dark. Bah lui, les gars, c'est un Nike. En XS, je l'ai pris. C'était à Footlocker, je crois que je l'avais acheté. Je vais vous montrer une tenue avec. Mais celui-là, il est vraiment stylé. Et avant, je mettais pas trop des pantalons comme ça, tu vois, un peu qui tombent sur la paire ou un peu cargo comme ça. Avant, je mettais que des joggings qui serrent à fond. Maintenant, je mets plus trop et je trouve que c'est stylé, tu vois. Ça change de fou. Du coup, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. D'ailleurs, en parlant de ça, ma tenue, est-ce que vous validez ma tenue? Dites-moi sur 10 dans les commentaires si vous validez ma tenue. Voilà, petit survêt Adidas que Adidas m'a envoyé. MRC, je suis Team Nike, les gars, mais je trouve que l'ensemble est incroyable. Avec les petites paires, alors celle-là, les gars, je vais vous les montrer de plus près parce que ça fait aussi partie de mes chaussures préférées. C'est vrai qu'entre temps, entre les deux vidéos que j'ai fait, chaussures que je préfère, elles sont aujourd'hui, c'est celles que je vais vous montrer, c'est mes chaussures préférées. Regardez-moi cette beauté divine. Gros, Dior B22, ceux qui ont vu la vidéo avec le bouseux, une journée avec le bouseux, on se les a offert dans cette vidéo. Et en vrai, celles-là, elles sont magnifiques. Bah, celle-là, les gars, elles coûtent très cher. C'est un peu des chaussures de luxe, tu vois. Mais ce que j'aime bien, c'est que moi, tu vois, j'aime bien que ça soit discret, tu vois. J'ai pas forcément envie de montrer que je mets de la marque ou quoi. Le fait de cette paire-là, tu vois, c'est Dior, mais ça se voit pas que c'est Dior. Tu peux croire que c'est plein d'autres marques sauf Dior, tu vois. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont sobres. Ça fait pas tape à l'œil en mode ah, c'est de la marque, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai pris parce qu'elles sont simples, clean, efficaces. Elles coûtent cher, hein. Au prix de Iron, tu nous le mets, hein, t'as capté. Bref, voilà, hein, on va pas faire polémique dessus. Bon, on va pas parler 100 ans sur le prix de la sneaker, hein. Mais les gars, au moins elles sont jolies, c'est le plus important. Après, chacun ses goûts, c'est sûr qu'il y en aura qui vont dire qu'elle est affreuse. C'est normal, on peut pas tout kiffer, hein, les gars, c'est sûr. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la paire que vous kiffez, que vous trouvez trop stylée et que vous kifferez avoir. Les trois paires les plus likées, je prendrai les trois. Bon, pas trop cher, s'il vous plaît, les gars, vous me connaissez. Dimanche, je poste Insta à 17h30 pour un concours pour vous les faire gagner. À chaque vidéo où je fais un haul my sneaker, bon, c'est la deuxième, mais la dernière fois j'avais fait un concours, donc aujourd'hui je me dois de vous faire un concours. Donc voilà, dimanche 17h30, je vous ferai un concours pour gagner les paires les plus likées. Ça fait plaisir, et merci les abonnés, vous êtes les boss. C'est carré. Ensuite, si on peut continuer sur les TN. Alors ça, les gars, c'est ma paire préférée. C'est ma TN préférée. Je vous la montre là aujourd'hui en vidéo maintenant. Les gars, c'est une paire qui n'existe plus en France, partout. Tu peux plus l'avoir. Sauf si tu cherches bien, mais je sais pas comment tu peux faire pour l'avoir. En tout cas, moi j'ai eu de la chance. Mon photographe Air Max Plus m'a mis sur un plan. Il m'a dit, frérot, est-ce que tu la veux? Je te la réserve. J'ai attendu 3 mois et j'ai eu cette beauté divine. Les Ghost Green m'ont gâté. Est-ce qu'elles sont pas incroyables? Est-ce que c'est pas les meilleures TN celles-là? Gros, elles sont folles. Elles sont folles. Gros, le colorway est incroyable. Moi je vous dis, hein, mon objectif ultime, les gars, c'est de pouvoir faire ma TN. C'est que Nike il me laisse faire ma TN, mon colorway, gros, et que j'ai ma TN dans les magasins. Ça serait incroyable. J'écrirais pas Inoxac, je ferais un colorway aussi beau que celui-là. Avouez qu'elles sont incroyables quand même. Franchement, je suis amoureux de cette paire. Et du coup, celle-là, bah je crois qu'elle était sortie à Footlocker en use aux US, mais ils ont annulé la vente. Donc les stocks qui ont été faits, ils ont été revendus. Bref, c'était une galère. Elle s'appelle la Ghost Green pour ceux qui veulent savoir. Et elles sont magnifiques, c'est les meilleures TN. Et en tout cas, voilà, celle-là, je les ai beaucoup cop cet été. Hein. Il y en a sur Insta, vous me suivez. Vous avez pu voir que je les mets souvent et elles sont vraiment très fraîches. Surtout l'été, tu vois, ça fait un petit... C'est carré. Alors, il y a une veste que je voulais aussi vous montrer que je mets très rarement et j'ai envie de voir si vous aimez bien et si vous pensez que je devrais la mettre plus souvent. Donc, je vais vous la montrer juste là. Les gars, c'est une veste Nike avec Supreme. Donc moi, je suis pas trop Supreme, mais cette veste, elle était incroyable et on voit pas trop que je suis Supreme. On voit plus que c'est Nike, donc ça m'arrange, tu vois. La veste, elle est folle. Sauf que j'ose pas la porter parce que elle tape à l'œil, mais elle est aussi big, quoi. Attendez, je vais vous la montrer. Les gars, grosse veste Nike. Il y en a beaucoup qui me demandaient où je l'ai acheté. Voilà, c'est celle-là. Et surtout l'arrière qui est incroyable. Avouez, elle est incroyable. Je vais la mettre dans une tenue après. Je m'habillerai avec. Mais est-ce que vous la trouvez pas incroyable? Celle-là, elle est folle. Je sais pas, elle est au prix de combien. Aaron, tu nous mettras. Mais c'est Nike X Supreme. Je l'avais acheté il y a 2 ans. Et en fait, je l'ai mis très rarement. Et je pense que je vais devoir, je vais la remettre parce qu'elle est vraiment stylée. Et quand je la revois là, je me dis, ça, c'est une vraie veste. En fait, je vous montre vraiment mes petits vêtements et je prends vos avis dans les commentaires et tout. Et si jamais vous avez des vêtements à me conseiller, des trucs qui m'iraient bien, n'hésitez pas à me dire. Les refs, on est ensemble pour une vidéo chill détente. Ça fait plaisir. Je pense que là, vous, je sais pas si vous êtes dans votre canapé ou quoi, mais ça fait plaisir. C'est pas trop chiant le Covid, mec. Moi, ça m'énerve. Les gars, ça m'énerve. La vie, j'ai envie qu'elle revienne comme avant. Même si c'est bien, y a des avantages, mais non. Là, ça commence à saouler. Je sais pas si ce que vous en pensez, mais ça commence vraiment à saouler. C'était drôle 2 mois. Là, c'est plus drôle. Là, remettez-nous. En plus, à skip, on va être confiné le week-end et tout. Je veux revenir à la vie normale. J'en ai marre.
Du coup, pour continuer, on va prendre une autre petite paire. Une petite paire, il reste 3 paires Stylax à vous présenter. Donc en attendant, je vais vous montrer mon nouvel achat aussi d'il y a un mois. Bon, je pense que vous êtes tous au courant, vous l'avez vu partout, de chez partout, je la mets partout. Je suis un forceur avec cette veste, les gars. Ce n'est rien d'autre que ma TNF Purple, mon gâté. Celle-là, c'est pareil, introuvable partout. En fait, ce modèle-là, voilà, exactement ce modèle-là, je vais le mettre après si vous voulez pour faire une tenue avec. Sold out partout, j'ai cherché tous les sites de resell, rien trouvé, introuvable. Mais un jour, Flashboy, il m'envoie un message, il me fait, ouais gros, je suis à l'affût sur tous les sites, et là, vient d'avoir un restock des TNF Purple. J'ai fait Nandato, j'ai fait Nani, et là, je suis allé dessus. À minuit, j'ai acheté direct taille S. 2 heures après, il n'y en avait plus. Et là, j'ai fait braquage du siècle. Et j'ai réussi à l'avoir. Voilà, après un an et demi d'essai à l'avoir, je l'ai enfin eu. Et c'est pour ça que je la mets partout, parce que je suis trop fier de l'avoir eu. Et c'est dommage qu'il la restocke pas, parce qu'elle est vraiment belle. Mais après, c'est bien, parce que ça crée une petite rareté. Comme ça, tout le monde ne l'a pas. C'est bien là aussi qui est bien, tu vois. Parce que c'est comme les Yeezy et tout. Moi, j'en ai eu marre, parce qu'on en avait, etc. Tu vois, moi, maintenant, je mets plus trop d'Yeezy, tu vois. Les statiques, elles m'ont saoulé. Yeezy, ça m'a un peu saoulé. Je vous avoue, ça m'a un peu saoulé. Mais là, en ce moment, je suis vraiment Jordan 4. Jordan 4, Air Force One TN. Ça bouge pas, on est corda. Après, ceux qui savent, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent aussi que j'ai la TNF en jaune. J'ai jaune et violet. Bon, il y en a qui vont me dire ça sert à rien, mais en vrai, si je trouve c'est stylé d'avoir les deux, comme ça tu peux alterner et tout. Et bon, la jaune, ça représente aussi une époque, tu vois, ça représente une époque, le Canada, etc. Et la violette, ça représente une année après, tu vois. Donc je trouve c'est bien d'avoir les deux. Je vais garder les deux de toute façon. Je les garde, elles sont à moi, elles sont trop rares maintenant, je les garde. Il y a aussi un pull simple, efficace, qui coûte cher. Malheureusement, il coûte cher pour ce que c'est. C'est ce pull là, c'est Nike avec Supreme, encore une fois. Voilà, il est très simple. Hein. Je sais même pas où il y a écrit Supreme. Il y a écrit Supreme juste sur la manche là. Voilà, il y a écrit Supreme juste sur la manche là. Et après, il y a le logo Nike en gros ici. Tu vois, bon, tu payes le Supreme en vrai. Hein. Le pull m'a coûté 200 balles, je crois. Il coûte cher, mais en vrai, il est bonne qualité. Et je trouve qu'il est joli, tu vois. Après, tu vois, bon, c'est vrai que ça coûte cher pour le pull que c'est. Mais bon, j'ai trouvé stylé. J'ai voulu me faire un kiff, tu vois. De toute façon, la sape, c'est tu te fais des kiffs. Hein. Après, il y en a, c'est quand même abuser le tarot de certaines choses. Mais bon, c'est la sape, hein. C'est le monde de la sape. Ça coûte cher. Hein. Et tu vois, en ce moment, je suis plus dans une optique de trouver des petits trucs qui coûtent pas très cher et qui imposent. Par exemple, la dernière fois, j'étais allé à Uniqlo et je cherchais juste des petits pulls tout noirs, full black ou sinon full mauve ou tu vois des trucs ultra uniques qui coûtent 20 balles et qui font le taf. Tu vois, celui-là, là, c'est un Adidas. Bah, on voit même pas que c'est Adidas. Tu vois, ça aurait pas été Adidas, je l'aurais acheté quand même, tu vois. Genre, par exemple, attendez, je vais vous trouver un pull. Par exemple, ce pull-là, frère, Uniqlo, 25 balles, même pas, 20 balles. Tout beige, mais tu vois, il fait grave le taf. Tout à l'heure, je vais le mettre, ça rend grave stylé. Même là, avec le Jogo, ça rendrait bien stylé, tu vois. Jogo avec les paires, je te jure que ça fait de l'effet. Je vais le mettre là, regardez, je vous montre. Tu vois, ça fait grave simple, efficace avec la paire. Pour 20 balles, t'es à la petite classe. Bon, après, il est moins oversize que le pull, donc j'aimais bien le pull, il était oversize. Mais tu vois, 20 euros, frère, honnêtement, moi, je trouve ça corda. Frère, y a pas de marque, c'est clean et c'est carré. Comme quoi, les gars, faut y a pas forcément avoir de la marque de temps en temps, et même beaucoup, tu peux avoir un flow avec moins d'argent, tu vois. Après, je dis pas que j'ai un flow forcément, tu vois, mais je vois des gens, des fois, sur TikTok, ils font des outfits le moins cher possible et ça rend trop bien. Des fois, t'en as, ils se sapent avec 3000 balles dessus, ils ont un flow éclaté au sol, tu vois. C'est voilà, c'est pour ça, les gars. Si vous vous dites, ouais, je peux pas acheter de la marque et tout, les gars, on s'en fout de la marque ou quoi, frère. T'achètes un jean, un pull stylé et tout pour pas cher. Tu peux avoir la t'as plus de classe que ceux qui mettent des milliers d'euros dans les sapes, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça. Ceux qui se disent, ouais, en vrai, les gars, et le style, c'est propre à chacun, tu vois. Donc c'est chacun à sa vision du style, t'as capté, et yeah, le style. Alors, pareil pour ceux qui veulent jouer. Bon, là, je vous montre des trucs un peu rares parce que si je vous montre des pulls noirs, bon, c'est pas très passionnant la vidéo là, tu vois. Là, c'est un exemple, mais j'en ai plein des pulls unis comme ça. C'est un pull, pareil, édition limitée de Nike. Je crois que c'était que Nike, il n'y avait même pas de collab, je sais même pas. Et tout le monde me demande d'où il vient. Alors celui-là, les gars, je l'ai acheté sur un site. Je me rappelle même plus, mais c'était il y a 2-3 ans. C'était quand j'avais 100 000 abonnés sur Insta, même pas. Et celui-là, il est incroyable. Ça, c'est un pull Nike. Bon, Just Do It, tu connais, hein, on est ensemble. Et en fait, le recto, c'est le verso le plus incroyable. Je sais pas si on voit bien à la cam, si ça fait le focus. Mais en fait, il y a un dragon. Et je sais pas si on le voit bien là, mais il y a un dragon Tarlewandowski sur le pull. Ce pull, pour le coup, il est vraiment incroyable. Celui-là, je le kiffe. Mais bon, là, je le mets pas parce que voilà. Mais c'est vrai que je le mets pas souvent en fait. Parce que, en fait, moi, si je le mets, c'est avec mes Ten Tiger. Mais en vrai, pas incroyable le pull. Franchement, il tue sa mère. Je le valide fort. Par exemple, les pulls noirs stylés, tu vois, ça, c'est un petit pull noir, mec. Ça fait large le taf, tu vois. Pas de marque. Clean. J'ai ça aussi, les gars. Bas de Jogo Diesel. C'est vrai que je mets pas souvent. Je le mets pas souvent parce qu'il a rapetissé à la machine. Alors, je sais pas si vous aussi. On est d'accord, les gars, que c'est horrible les sapes qui rapetissent à la machine. On est d'accord que tu payes des marques, des fois, ça coûte ultra cher. Et à la machine, perd toute sa qualité. Moi, ça m'est arrivé, des fois, il y a des Jogo. J'achète. Gros, il rétrécit et il me colle aux jambes comme si c'était un collant à la fin. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Après, peut-être que je mets la mauvaise température dans la machine. Mais normalement, je pense que c'est 30 degrés ou des trucs comme ça, quoi. Ça fout le mort, ça. Ça encore, c'est un délire, tu vois. Moi, je mets pas trop des pantalons comme ça. Tu sais,
très bien. Je mets beaucoup de jogging, moi, mon ref. Mais j'essaye de tester de nouveaux pantalons et tout. Et celui-là, au début, je voulais pas l'acheter. Et mon photographe, il m'a dit, prends-le, gros, il est lourd de fou. Il fait un peu large et tout, oversize et tout. Et il est stylé, tu vois. Avec cette paire, ça pourrait bien aller, tu vois. En fait, si tu veux voir les petits détails de plus près. Et celui-là, c'est pareil, les gars. Celui-là, il coûte. Il doit pas coûter si cher que ça. Je l'ai acheté à Uniqlo, je crois. C'est simple, efficace. On voit pas de marque forcément, tu vois. Et je le trouve vraiment stylé. Alors, celui-là, vous êtes 100 000 à me demander la rêve de ce jogo-là. Les gars, ce jogo-là, le jogo Lacoste, full bleu. Gros, j'étais allé au showroom de Lacoste. Ils m'avaient invité. Les refs, ouais. Lacoste m'ont invité dans leur showroom. C'est un truc de fou. Ils m'ont dit, tiens, tu prends ce que tu veux. Tu prends 3 tenues. Fais, what? What the fuck? Du coup, bah, frérot, j'ai vu ça dans la boutique. J'ai fait, oh, obligé, je le prends. Gros, il a un flow de fou. Avec les petites bandes. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont pas sur toute la longueur, tu vois. Elles sont à moitié. Avec le petit croco. Et ça, avec les petites TN, avec ce que tu veux. Et celui-là, les gars, je l'ai acheté à Lacoste. Donc, peut-être vous pouvez le voir à Lacoste. Mais je pense que c'était une édition d'avant. Donc, et chiant, c'est que tu vois, je peux pas te donner la ref de chaque truc. Parce que, bah, y'en a plus en fait. Ça part trop vite, les sapes. C'est ça qui est chiant. C'est que quand tu vois une sape stylée, tu veux aller l'acheter. Bah, y'en a plus en fait. Alors, pareil, les gars. Là, j'ai besoin de votre avis aussi tout à l'heure. Je vais l'essayer. Et j'ai besoin de votre avis. Jogo Lacoste, encore une fois. Je l'ai jamais mis encore. Je l'ai acheté. Et en fait, il est ultra large en bas. J'ai envie de voir votre avis. Donc, tout à l'heure, je vais le tester et j'ai envie de savoir votre avis si ça fait stylé ou si c'est éclaté, ok? Vous me direz après. Bon, il me reste deux petites paires à vous montrer, les gars. Jordan 4. J'ai craqué sur les Jordan 4 Union. Pour ceux qui connaissent bien les Jordan, ceux qui connaissent pas, je vais vous montrer maintenant. Les petits refs, paire de Jordan, c'est ma préférée, je crois. Ouais, après les métalliques, je pense. Oh, celle-là, je me suis fait un petit kiff. Parce que celle-là, elle coûte très cher. Je crois que je les ai payées 650 ou 600. Ouais, j'ai dû les payer dans ces eaux-là. Donc, ouais, celle-là, les gars, elles sont vraiment jolies. Je trouve que ça change de fou. Les... En fait, elles sont originales, tu vois. Personne les a. Enfin, il y a beaucoup de. Il y en a qui l'ont, tu vois, mais je vois personne avec dans la rue. C'est pour ça que je me suis dit, allez, un petit coup, personne les a. Elles sont originales, elles sont jolies, elles sont clean. Tu les mets avec un petit bas stylé, etc. Pour ça, je les ai prises. Et en plus, tu vois, cette semelle là, tu vois, c'est pas là, pas cette semelle, cette languette là, c'est pas exactement comme celle de la Jordan 4, tu vois, elle est beaucoup plus basse. Mais si tu veux, tu peux la couper et en fait, ça remonte comme la Jordan 4, tu vois. Donc, si je veux, ça peut monter en haut là, la semelle. Sauf que, bon, une fois que tu le fais, bah, ça rend moins bien, tu vois. Donc, moi, je vais la laisser comme ça parce que c'est le côté original, tu vois. Et voilà, dites-moi si vous la trouvez stylée. Moi, je la trouve vraiment très, très clean. Les refs, très cool. Pareil les gars, j'ai un bas Nike et celui-là je l'ai jamais mis. Il reste dans mon dressing. Je sais pas si vous pensez que je devrais le mettre ou pas, mais voilà, je l'ai dans mon dressing en stock quoi. Petit bas Nike, je l'avais acheté à Dubaï, je l'avais acheté. Ça date. Alors, j'ai aussi une galerie de caleçons Nike. Voilà, donc qualité incroyable. Voilà, vous pouvez être sûr que vous serez au confort toute la journée pour une Bon, allez hop, c'est bon, je vais arrêter. Mais j'ai aussi des caleçons Lacoste. Alors ça, tu vois, c'est bien souple autour des... Quoi? Bon, allez, c'est bon, j'arrête. Comme vous pouvez le voir aussi, les gars, j'ai Jogo Lacoste tout blanc parce que j'avais trop envie de l'avoir. Je trouve que Jogo tout blanc, il est stylé. Le problème, c'est qu'il se salit beaucoup, il se salit vite. Bah, quand tu l'as neuf, c'est toujours mieux, tu vois. Mais il est beau en blanc quand même. Et je le trouvais jamais dans les Lacoste. Et je l'ai enfin trouvé. C'est Saïd qui me l'a offert, je crois, d'ailleurs. Bon, pour pécho de la meuf, le Kenzo, vous le connaissez tous. Et je le mets de temps en temps, le Kenzo. Je le mets pas souvent, le Kenzo. Je le mets que pour les petites occasions, tu vois. Mais pécho de la meuf, ça fait de l'effet. En fait, je sais pas si ça fait de l'effet. Est-ce que dans le chat, les meufs, ça vous fait de l'effet, le Kenzo? Pas du tout. Du coup, ouais, j'ai trouvé stylé. Enfin, c'est bien d'avoir un petit. Tu vois, Kenzo, j'en ai pris qu'un. Parce que, bon, déjà, ça coûte cher. Hein, le pull, il coûte cher. En Iron, tu mettras le prix. Et aussi, tu vois, je vais pas en prendre plein. Le lion, c'est bien une fois, tu vois. Mais je vais pas en prendre plein de différentes couleurs. Je trouve qu'il est. T'en as un et c'est carré. Et aussi des petites chemises pour l'été. Voilà, un peu dans ce style-là. Bon, celle-là, je l'ai acheté à Gianni Lupo. Voilà, je sais pas trop. C'était en Grèce que je l'ai acheté. Elle est grave jolie. Je connais pas si c'est de la marque ou pas, les gars. Je vous avoue, j'ai trouvé stylé. Je l'ai pris. Il y en a une en verte aussi que j'ai acheté en HM. Je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent en verte. J'ai acheté HM. Et je la trouve pas. Donc là, je vous avoue, je suis en train de flipper sa mère. Je la trouve pas, je comprends pas pourquoi. Mais je vais la retrouver parce qu'elle est vraiment stylée. Donc voilà, je vous mets une photo ici pour ceux qui veulent la voir. Ah, tu connais, c'est carré. Et pour finir avec les paires, les gars, je vais vous montrer officiellement la paire de mes rêves. Je mets pas souvent parce que j'y prends soin, mais je l'ai mis 2-3 fois. Et c'est la paire que je voulais le plus. Je la voulais, je me dis impossible de l'avoir. Elle coûte 1002 balles. C'est un peu beaucoup, hein. 1200 euros pour une chaussure. Je me suis dit, je l'achèterai pas. Tu vois. Finalement, mon petit pote Michou, il me l'a offert. Il m'a offert cette paire. Qui est rien d'autre que là. Wotherspoon, mon ref, je sais pas si je l'ai bien dit pour les touristes, les petits refs dans ceux qui kiffent les sneakers, j'espère que je l'ai bien dit. Les gars, Sin Wotherspoon, elle est incroyable. Bon, j'y prends soin, j'espère. Vous en pensez quoi? J'y prends soin, je les ai mis 3 fois. Elles ont pas bougé d'un poil. Hors de question que je les salisse ou quoi, parce que celle-là, je te jure que je marche comme ça. Je marche sur la pointe des pieds quand je suis dehors avec, les gars. Obligé. Elles sont trop clean. Elles sont douces, elles sont fraîches, elles sont.
mais il faut que je trouve des bonnes sapes pour aller avec. On va essayer de faire une tenue et vous allez me dire si vous validez. Et ce que j'aime bien, c'est la semelle, elle est trop confortable. La semelle, c'est un peu de la moquette, enfin je sais pas comment dire, mais elle est ultra satisfaisante. Genre, la paire est magnifique, les matériaux, la texture, on dirait du daim un peu, je crois que c'est du daim. Paire de mes rêves, elle est là entre mes mains, je l'ai enfin eu dans mon haul my sneaker hashtag 1. Je vous ai dit que c'était ma préférée et un an après on l'a, et magnifique, c'est beau. Bref, bah voilà, en fait les gars, on a fait le tour de toutes les sneakers que j'avais. Bon, je vais vous faire un tour aussi, je vais prendre ma caméra là dans 2 secondes et je vais vous montrer un peu toutes les autres paires pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1 et qui ont la flemme. Je vais vous faire un petit coup de main. Bref, voilà, je vous ai montré un peu les petites paires, un peu mes petites sapes que j'ai, que je mets de temps en temps, etc. Là, ce que je vous propose, c'est que je fasse une tenue avec chaque paire que j'ai, comme ça au moins vous voyez un peu ce que ça donne sur moi, portée, etc. Et voilà quoi, let's go. Bon bah voilà les gars, première tenue, je sais pas ce que vous en pensez. Petit pantalon que je vous avais pas montré, qui tombe un peu sur la paire, je sais pas si ça se voit bien. Bref, voilà, petit pantalon noir, petit haut beige qui fait un petit peu rappel avec les Jordan. Et les Jordan, elles sont là, tu connais. Voilà, dites-moi vous en pensez quoi là. J'ai essayé de les porter en mode clean, carré, tout ça, tout est carré, tout est bon. Voilà les gars, deuxième tenue avec les Jordan 4 Metallic Purple, tu connais. Du coup les gars, je me suis dit, je mets ma petite North Face avec les Metallic Purple et avec le pantalon un peu cargo Nike là, stylé. Dites-moi vous en pensez quoi. Voilà, Aaron, si tu peux zoomer, tout ça, je te fais une petite gestue, hop, le move, hop, est-ce que c'est carré, voilà. Et donc, je l'ai mis avec ça, mais je peux aussi le mettre avec... Bah, je peux aussi mettre avec les TN, voilà. Fait stylé avec les TN, en vrai les TN, elles s'accordent bien avec la veste, c'est incroyable les gars. Je sais pas vous en pensez quoi, c'est carré. Et voilà, pour ceux qui veulent voir comment le pull il rend en vrai, voilà, il rend comme ça un peu, voilà, avec le lion. Derrière, le lion il déglingue. Voilà, pour ceux qui voulaient voir, c'est carré. Mec, on est ensemble, c'est carré. D'ailleurs aussi les gars, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo All My Sneaker, je vous montre un peu vite fait. Je passe en rapido mes paires que j'avais montré pour le premier épisode, parce qu'il y en a pas mal aussi. Mais il y en a beaucoup que je mets plus et que je vais peut-être donner à, je sais pas, je vais peut-être donner à des gens. Donc on verra. En tout cas, regardez, je vous passe vite fait. Ici, bon, là le palmier est un peu mort. Ici, petit Air Max 90, off-white, c'est carré. Là la React Element, celle-là elle date. Celle-là, bah, je vous l'ai montré. Celle-là, elle est incroyable. Celle-là, Jordan 1 Phantom. Easy 350 Zebra, t'es une des premières, elle est carrée aussi. Ici je crois que c'est une Easy 500, que je mets plus du tout d'ailleurs. Voilà, celle-là vous les avez vues, TN Tiger 2.0 qui claque aussi. Ici bon, on a que des TN, hein, tu connais. Ici Air Force One Custom, quelqu'un qui m'a custom des Air Force One, elles sont là. Ici TN, on est ensemble. Ici je les ai poncés, j'ai escaladé les volcans avec, elle est là, ça bouge pas. Ici vous avez tout vu, TN, TN3. Elles sont là, et TN Blanche qui fait le taf toujours, et 90 encore une fois. Voilà, voilà un peu, je les pose tous ici mes pères. Mais bon, regardez le bordel que j'ai fait là pour la vidéo. Mec, c'est le bordel les gars, c'est le bordel. Je vais me faire détruire, D'ailleurs, dites-moi si vous validez les gars, il y a un abonné qui m'a offert ça. Il m'a fait une figurine pop, est-ce qu'elle est pas incroyable. Donc merci à toi mon ref, Natboy je crois. Natboy qui fait des vidéos sur YouTube et qui me kiffe. Donc Natboy, je te kiffe aussi. Et la figurine pop, elle est ouf, elle est très carrée. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai passé un super moment avec vous, comme d'habitude, ça bouge pas. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tu connais, j'attends vos retours en commentaire maintenant. Sur ce, des bisous tout le monde, passez tous une agréable journée, une agréable soirée, agréable matinée, agréable journée. Vous êtes les boss, je vous kiffe, on est ensemble. Petit move drill.